Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolou Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de raviver des feux de camp. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des feux de camp de Fortnite chapitre 3 saison 1. Et pour terminer le défi, vous allez devoir raviver 10 feux de camp. Donc il va falloir quand même en raviver plusieurs, enfin blindés. Et pour le faire, vous pouvez très bien raviver 10 fois le même feu de camp, normalement ça devrait fonctionner parce qu'il n'est pas marqué que vous devez raviver plusieurs feux de camp différents. Donc logiquement avec un seul feu de camp ça devrait fonctionner, mais moi ce que je vous conseille quand même c'est de venir ici au sanctuaire, plus ou moins par ici, il y a déjà 3 feux de camp, voire 4 feux de camp, un à côté de l'autre. Donc regardez, il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un là et il y en a encore un peu plus haut là-bas. Donc ce que vous faites c'est que vous venez ici, en plus il y a plein de bois. Autour de moi, il y a plein de bois, ça c'est du bois, hop, vous farmez le bois, parce que vous allez devoir le raviver, donc vous allez l'utiliser, donc vous allumez le feu de camp, ensuite pour le raviver, ça vous coûtera 30 de bois supplémentaires. Donc là, je l'ai ravivé une fois, mais vous allez voir que je vais pouvoir le raviver une deuxième fois. Donc vous allez devoir le raviver 10 fois. Après, normalement, ça fonctionne avec un seul feu de camp, mais au cas où, avec la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, vous avez énormément de feux de camp notés sur toute la carte. Donc vous pouvez, si vraiment il faut faire 10 feux de camp différents, eh ben vous pouvez aller avec la carte. Là où je vous ai montré avec la carte, vous pouvez aller faire 10 feux de camp différents. Mais je pense qu'avec un seul feu de camp, ça devrait être largement suffisant. Donc voilà, il vous faudra un petit peu de bois. Donc vous farmez un peu de bois et ensuite raviver 10 fois un feu de camp pour terminer et débloquer les récompenses. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolou Mike et ciao. Peace.